Alors, je vais être très honnête avec toi, c'est très bien vendu. Bon, là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est un choker sur une clé de voiture. Je pense que c'est bien mis en vidéo. Ça donne l'impression, puisqu'on voit un arc électrique, que ça va être, efficace. Et souvent, on voit dans les films, les gens se prendre un coup de taser et dormir. Là, pour le coup, ça va juste le mettre dans une rage folle. Donc, peu de chances que ça l'endorme. Toute orthèse, quelque chose qui va être ajouté à la main pour venir se défendre, peut être potentiellement efficace. Il faut tenir compte d'une chose par contre, c'est qu'à la forme de celui que j'ai vu sur la vidéo, le risque c'est de blesser plus gravement que ce qu'on voudrait la personne en face de soi. Voilà. Un objet de défense, il faut que ça serve à protéger sa vie. L'idée c'est pas de terrasser la personne. On dit souvent que c'est le fait c'est de ne pas perdre, c'est pas de gagner. On avait testé les objets de défense, il n'y avait aucun souci avec certains objets de défense pour briser une noix de coco. Donc si on imagine ça reproduit sur le crâne de quelqu'un par exemple. Moi ce que je conseillerais de manière générale c'est d'avoir des objets qui offrent une certaine proportion et qui permettent de se dégager rapidement. Il vaut mieux une bonne petite bombe lacrymogène qui permettrait juste de se dégager. Maintenant, il faut rappeler quand même que ça reste une arme de catégorie D. Certes, elle est disponible à la vente et libre. Maintenant, techniquement, on n'a pas le droit de se balader avec. On imagine l'agression comme un entonnoir. La partie self-défense et utilisation d'un objet de défense, quel qu'il soit, c'est vraiment la fin de l'entonnoir. Si on se retrouve à la dernière partie de cet entonnoir, c'est-à-dire le moment où va arriver la confrontation physique, effectivement, l'objet de défense peut être utile. Encore faut-il savoir l'utiliser et avoir anticipé ce qui s'est passé avant. C'est pas le moment où on va plonger la main dans son sac ou dans sa poche pour récupérer l'objet.